Bon, c'est quoi ça? Non, dites-moi, c'est quoi ça? Qui a créé... Non, il y a une année, je suis tombé sur la photo, j'ai fait une vidéo. Mais là, je suis retombé sur la photo et je me pose les questions, les bonnes questions. Qui a créé ça? Soit c'est un bébé qui a créé. Il a vu une tata en string, il a dit, mais pourquoi tata a le droit de porter des strings et pas nous? Donc, il a pris son gang de bébés string, ils ont fait ça. Ou alors, c'est un connard de papa qui en avait marre de voir son fils chier, du coup il a pris un string, il a dit, la ficelle peut bloquer le trou du bébé. Bon, mais là, si le bébé chie, mais ça va déborder de tous les côtés, de tous les côtés. Et si c'est la diarrhée, là, c'est un viaduc. Non, c'est un viaduc. Mais en vrai, regardez bien le bébé, comment il sourit. Il est bien en string, là. Ça se voit, lui, quand il va grandir, il va foutre la merde de tous les côtés. Non mais ça me choque quoi. Un bébé en string. Mais lui s'il fait caca, c'est pas une lingette qu'il faut. C'est soit un PQ, soit une bouteille de cristalline si c'est un musulman. Oui non mais oui, il peut, il est mature, il prend des bouteilles. En tout cas, si vous achetez ça à votre enfant, ne soyez pas étonné si chez vous ça pue la merde. Ah oui, un caca vraiment. Ah, je suis mort. Ah, attendez, non, ne partez pas, c'est pas fini. J'ai une bonne nouvelle pour vous, hein. Bientôt, vous pourrez me voir en spectacle, en live. Mais un spectacle, pas un spectacle simple, un spectacle Covid, un spectacle coronavirus, un spectacle de distanciation. Vous pourrez me voir de chez vous, en live, en direct. Vous me regardez comme sur Netflix. Vous pouvez me voir de chez vous. Vous réservez, vous me regardez en famille, vous pouvez me regarder en famille, vous délirez en famille de chez vous. Et vous pourrez venir aussi en physique avec les mesures de sécurité. Voilà, il y aura des sièges vides. Voilà, on prendra les précautions. Mais en tout cas, sachez que je reprends la planche. Je suis là, en milieu, le 27 de ce mois-ci, évidemment, juin. Voilà. Donc, c'est tout, hein. Réservez, voilà. Les contrôleurs, ils sont pas chiants? Non, ils sont chiants. En plus, maintenant, ils ont des recrutements bizarres à la RATP. Ils ont même des collabos dans nos cités. Enfin, je suis rentré dans le métro, tu vois. Je rentre dans le métro, je dépasse le tourniquet, là. Et direct, je vois les contrôleurs. Je dis, oh, il y a les contrôleurs. Je tourne ma tête, je vois Moussa, un mec de mon quartier. Je dis, oh, Moussa, il y a les contrôleurs. Il m'a dit, ah, Sako, Sako, Sako. Il est où ton ticket?